Playa Las Gemelas, une petite plage superbe qui se trouve au sud de Puerto Vallarta. Entourée par les montagnes de la Sierra Madre, la vue derrière la plage est exceptionnelle. Une forêt tropicale, bien arrosée toute l'année. Pas très loin se trouvent les petites îles naturelles, Los Arcos. Ça vaut vraiment la peine de faire un détour et s'arrêter pas très loin au Mirador pour pouvoir les observer de plus près. La plage fait environ 200 mètres de long par environ une vingtaine de large, donc ça laisse très peu d'espace quand la marée est haute. Inutile de vous dire que le sable est d'une couleur et d'une texture exceptionnelle. On pourrait qualifier les vagues de faibles à très fortes, bien entendu, tout dépendant du vent. Mais en général, les gens se plaisent à dire que les vagues sont facilement gérables et très agréables pour ceux qui aiment la baignade. Derrière ces condominiums se trouve la route 200. C'est cette route entre Puerto Vallarta et Las Gemelas qui vous mène jusqu'à cette fameuse plage. Attendez-vous à un taux d'occupation quand même assez élevé, puisque la plage est petite. L'idéal, c'est de s'y présenter avant 11 h le matin et après 15 h ou 16 h l'après-midi. Le fond de mer est dégagé, pas beaucoup de roches. Par contre, à partir de 60 à 70 mètres à partir du bord, on peut rencontrer certains récifs. Attention, il y a quelques cailloux cachés qui peuvent vous faire mal si vous les rencontrez. Pour les enfants qui aiment jouer dans les vagues, c'est vraiment un endroit idéal. Il y a d'ailleurs une ligne de protection flottante qui avertit quelles sont les limites à ne pas dépasser. Côté propreté, l'endroit est impeccable. On peut marcher nu-pieds sans aucun danger. Côté sécurité aussi, l'endroit est très bien surveillé. Il y a toujours des gens et il y a de la sécurité dans les condominiums à l'arrière.